I'm gonna go to bed.
Alléluia. Je parlais de la doctrine de Jésus. Il y a un trésor caché. Alléluia. Ce trésor caché, c'est la doctrine de Jésus. Plusieurs ne savent pas que Jésus a une doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque tu découvres cette doctrine, tu seras très heureux. Alléluia. Quelqu'un a la gloire en anglais? Ce qui s'allie? Il y a des vidéos de read in English et des read the word of God in English. Somebody can do that. Pastor, when is that day? The person here that will be able to help us in the process. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 7. Et verset 28. Alléluia. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Il y a plusieurs qui ont été les chrétiens. Now, Meta, now the market. Now, study and I see it. You tell my car, the lamb would go up with you. Then you go there, the last day long. If you tell us a block of water, down the river. So, who are you again? 10 years. Mais pourtant, pour nous, à l'étango, à ses billets. Moi, je ne sais pas, et Jésus Christ est powerful. Alléluia. Donc l'église là, mon doctrine est à bon, mais pour Jésus, mon doctrine est bon. Alléluia. Jésus dit, mon cas, mon cas. Là, Jésus Christ, again, il sait cette voix. Alléluia. Il y a un autre cas bon, beaucoup m'a perdu à vos débats. The word of God wants for all to go far for that for that authority. The love powerful word can change our life. Hallelujah. The word of God can change our life. The powerful voice message when walking according to it. Jesus Christ says I can know that we're doing it according to where you manage. That powerful message and we do it according to the powerful message will be, then you will know that we are the children. Alleluia. Matthew chapter 7, verset 28. Je dis au nom de Jésus. Après que Jésus lui a servi ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Je m'en vais à Jésus qui est là, à Gamour, à Mouva qui vole, Gamour 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 qui vole. Alléluia. Amen. Gamour qui vole, Gamour qui vole. The world tests their heart. The time Jesus Christ was talking about that message tests their heart. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà Jésus. Alors, cette doctrine-là, la doctrine de Jésus, Dieu dit, il ne veut pas qu'on s'éloigne de cette doctrine. C'est comme si c'était une cour, une maison. Si quelqu'un sort dedans, il n'est pas protégé. Alléluia. Lorsque nous déroulons dedans, alors, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous demande. When you're doing the against God, Lord, every you know, you understand that you move from inside, that devil will bless you. Alléluia. Bah, il y a un autre mot, 2 Jean, chapitre 3, verset, mais nana, on a dit, ni le fait que Abdallah, pour les autres, pour les autres, pour Alléluia.
when we read the message and see and understand it, what did the Bible tell us there? He says, anybody that go far place, so anybody go far off from that message, like that listen to that message, is so you to God and the person now the honor God first. Hallelujah. It's the same thing when you read. Hallelujah. We call that woman, let that woman. Hallelujah. For all to know that Jesus Christ to be in your life, for the whole world to know, even if you're committed to know, you need to walk according to the way the Lord says. Amen. Amen. For God will teach that man, you will send your thing. The message that there that they can be talking in the French language, say the law that people know. Soon doctrine. Pourquoi dit les choses qui sont conformes à la doctrine, à la sainte doctrine? Oui, mais que vous, quand vous pouvez, je dis, vous allez manger à vous là. Mais c'est, elle va dire, what Jesus Christ, what the Lord of God can say. Alléluia. Pourquoi avant d'après, je n'ai pas ce maintenant, je t'en ai, mais il gagne au Cameroun, pour la vie, c'est ça, quand même, hein, dans mon dit, je dis, à vous là. Alléluia. Amen. Et, la guerre est là, il y a la voix, il y a la voix, il y a la voix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Malgré les suivants. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de monde à pour le lit. Alléluia. Amen. Et quoi, on part. Et là, il y a beaucoup de monde. Alléluia. Donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir le Dieu à pour le lit. Tu es fatigué? Are you tired? Tu es fatigué? No. Est-ce que tu es fatigué? Are you tired? Si tu es fatigué d'être béni, tu peux rester comme ça. Qui est fatigué d'être béni? Are you tired? Qui est fatigué d'être béni? Who is tired here? Qui est fatigué d'être béni? Who tired here? Hein? Who tired? C'est lui qui est fatigué, la gare levée la main, je vais voir. C'est lui qui est fatigué d'être béni. Hein? C'est pas qui est béni? Alléluia! 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 Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Regarde celui qui est à côté de toi. Look at somebody by your
your side. Only sorry. And smile. Sorry, man. Smile with him. Only sorry. Smile. Only to say, to smile, to smile. Touch them, touch them. Only to say, voilà. Voilà. Alléluia. Tu peux lui dire, c'est Jésus qui donne la joie. C'est God qui give me joy. C'est Jésus qui te donne la joie. It's God that gave me joy. C'est Jésus qui te donne la joie. And Jesus gave me joy. Il faut le serrer la main. You need to shake the hand. Voilà. C'est la main de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Clap for Jesus. Je veux voir celui qui va lui acclamer Jésus. Je veux voir le meilleur des bestes. Le meilleur. Celui qui aime Jésus va acclamer Jésus. Vous n'aimez pas Jésus, c'est pas ça. Acclame Jésus. Alléluia. 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 Ça va chauffer ce soir. It will be hot tonight. Ça va chauffer. It will be hot. Alléluia. Alléluia. Ça va chauffer. It will be hot. Amen. Amen. Ça va chauffer. It will be hot. Ceux qui ont fait le monde. Those in the world. Ils allaient dans les bords de rue. They went to Nepro. Et ils passent. Dancy. Et quand ça le prend. And when they are taking all kind of bags, they can take a bottle and toss it. Et dans encore. Then again. Voilà. You. Va cacher bouteille sur sa main ce soir. You're going to stand on the head of the enemy. Alléluia. Alléluia. Tu vas casser bouteille sur sa main ce soir. You're going to bring a bottle on Satan tonight. Alléluia. Alléluia. Tu vas casser bouteille sur la sorcière ce soir. You will bring a bottle on witchcraft tonight. Amen. Amen. Tu vas casser bouteille sur la tête de tes ennemis. You will break bottle over the head of your enemies. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. We to pray. Dieu tout puissant. Father, Heavenly Father. Dieu créateur du ciel et de la terre. Creator of heaven and earth. Tu es le maître de tout l'univers. You the master of the universe. Tu es le seul et véritable. You are the only veritable God. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Without you, there is no other God. Tu es le seul Dieu vivant. You are the only living God. Le seul Dieu qui parle. The only God that speaks. Le seul Dieu qui marche. The only God that walks. Le seul Dieu qui voit. The only God that sees. Le seul Dieu qui entend. The only God that hears. Ce soir, tonight, tu es là. You are here. Tu es là. You are here. Tu es là. You are here. Au milieu de nous. Among us. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Tu es là. You are here. Ta présence est là. Your presence is here. Ton règne est là. You are here. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste tonight. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Manifeste-toi ce soir. Manifeste ta puissance ce soir. Manifeste ta puissance ce soir. Manifeste ta puissance ce soir. Qui se font des guérisons. Qui se font des délivrances. Que les âmes soient libérées. Let people be delivered. Que les vies soient restaurées. Let people be restored. Par le nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prends autorité. Sur toute force. Toute puissance. Satanique. En ce lieu. Au nom de Jésus. Sors d'ici maintenant. Get out from here. Sors d'ici. Get out from here. Ici c'est l'assemblée des saints. Here ici c'est l'assemblée des saints. Here is the presence of God. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur toi. Reçois le feu. 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 Jamais un jugement. No, you don't have power toute here. Puissance territoriale. Every power, every sovereignty. Toute entité territoriale. Every power sovereignty. Établie au lieu. Now they go out. Je viens avec la puissance du Saint-Esprit. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Si ce
de Dieu. You are out. Par le sang de Jésus. Je lâche ta main. Je lâche ta main. Je lâche ta main. Aujourd'hui, tu tombes sur le pied. Today you are fall down. Tu tombes sur le pied. Today you fall down. Ton principauté. With your power. Ta domination. You domination. Ton esprit de sorcellerie. You spirit of witchcraft. Force-toi. Fire on you. Force-toi. Fire on you. Force-toi. Fire on you. Force tes yeux. Fire on you. Force tes yeux. Fire on your way. Force tes yeux. Fire on your way. Force tes yeux. Fire on you. J'envoie le trouble. Now I trouble you. J'envoie le trouble. Now you will. J'envoie le trouble. Fire on you. J'envoie le trouble dans le feu. J'envoie le trouble dans le feu. J'envoie le trouble dans le feu. J'envoie le trouble. Fire on you. Trouble. Fire on you. Trouble. Chasse-le maintenant. Chasse-le maintenant. Chasse-le maintenant. Que le règne de Dieu se manifeste. Que le règne de Dieu se manifeste. Que le règne de Dieu se manifeste. Que la volonté de Dieu soit faite en ce moment. Que la puissance de Dieu soit libérée en ce moment. Seigneur Jésus, par ton esprit, touche le cœur. Touche le cœur. Touche le cœur. Touche le cœur. Beaucoup sont venus. Beaucoup sont venus avec des problèmes. Beaucoup sont venus avec des situations. Au nom de Jésus, libère-les. 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 Beaucoup sont venus ici parce que leur nuit sont troublés. Ils n'arrivent pas à dormir à cause de ceux de la sorcellerie. Par ta parole. Allez, dis à Dieu. Allez, dis à Dieu. Au nom de Jésus. Je lis. Je lis. Tout esprit. Tout esprit de sommeil. Tout esprit de lutteur. Je te lis, je te paralyse. Je te lis, je te paralyse. Je te lis, je te paralyse. Je te frappe d'arrêtement. Je te frappe d'arrêtement. Allez, le sommeil. La main de l'Éternel te touche, te frappe. Elle 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 te frappe. Tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester sans être vivant. Tu t'en vas. 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 Va-t'en. 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 Sors d'ici. 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 Que la lumière de Dieu jaillisse en ce lieu. Que la lumière de Dieu jaillisse en ce lieu. Que la lumière de Dieu remplisse ce lieu. Que la lumière de Dieu remplisse ce lieu. Seigneur Jésus, cet endroit, ce lieu est pour nous. Est pour nous. Est pour nous. Est pour nous. Selon ta parole. Selon ta parole. Tu nous as dit. Tout endroit. Every place. Où la plante de notre pied. That we place our feet. Sera, that place. Nous l'avons en possession. Be for us. Je déclare. I declare. Ce territoire sera pour nous. This place is for us. Je déclare. I declare. Que ce lieu devient notre propriété. This place is for us. La terre devient notre propriété. This ground we possess. Le ciel devient notre propriété. We possess this place. Le ciel devient notre propriété. Even the chairs. J'exerce ma domination en ce lieu. We are here with honor your domination. J'exerce ma domination en ce lieu. We tell we are domination. Que le sang de Jésus commence à être dans ce lieu. Que le sang de Jésus commence à être dans ce lieu. Que le sang de Jésus 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 dans ce lieu. Le sang de te couvre. Il te couvre. Il te cache. Il te cache. Il te cache. Les radars. Les antennes. Je les détruis. 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 Je les détruis.
Tu les détruis. Tu les détruis. Tu les détruis. Tu les renverses cette hôtel. Tu les renverses cette hôtel. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Ouvre le cœur de tes enfants. Afin qu'ils comprennent ta parole. Afin qu'ils sachent ce que tu dis. Ce soir, manifeste ta puissance encore et encore. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Asseyez-toi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. 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 Que tout le monde reste assis. May everyone be seated. Pour écouter la parole de l'Éternel. To receive the word of God. Alléluia. 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 Que personne ne soit debout, tout le monde assis. Il y a de place devant. There are some place in front. Ceux qui n'ont pas de place, venez devant, il y a de place devant. You don't have seat, you can come in front. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. People of God. Avant de commencer mon message, before we begin the message, je vais vous rappeler quelque chose. I want to remind you of something. Vous êtes dans la présence de Dieu. You are in the presence of God. Amen. Amen. Vous êtes dans la présence de Dieu. You are in the presence of God. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Ça veut dire que vous devez garder le calme. It means you need to be kind. Dieu ne supporte pas que dans sa présence, God cannot support les gens bavardent. People make noise. Dieu ne supporte pas que dans sa présence, God cannot support his presence. Les gens se mettent à chuchoter. People be going out and in. Chuchoter dans les oreilles. Dieu ne supporte pas cela. God cannot support that. Si le président du Libéria venait ici, si le président du Libéria venait ici, est-ce que vous allez vous lever, vous marcher comme ça? Will you be walking all around like this? Est-ce que vous allez parler en sa présence? Will you be speaking in his presence? Est-ce que vous allez vous promener dans sa présence? Will you be going out, in and out? Nous ne pouvons pas. Amen. We cannot do that. Ce que vous ne pouvez pas faire devant le président, what you cannot do in the ce n'est pas devant Dieu que vous allez faire cela. Not in the presence of God you do c'est that. Très important. It's very important. Nous devons apprendre à respecter le Dieu que nous appelons. We need to learn to respect. Nous devons apprendre à honorer le Dieu que nous servons. We need to honor the presence of God. Parce que c'est de ça qui manifeste sa puissance. Because it's through that he can manifest his power. Un père de famille, a family man, dans ses enfants lui manque de respect. When his children can deal with respect. Est-ce qu'il peut les bénir? How can he bless them? Est-ce qu'il peut les bénir? Can he bless them? Il peut les bénir? He can bless them. Lorsque ses enfants when you are a father and your children do respect. Lorsque dans sa présence, ses enfants se mettent à crier. When you're in your presence, your children begin to shout. À s'amuser. They're playing. Dans sa présence. In your presence. Est-ce qu'il peut les bénir? How can you bless them? Répondez-moi, est-ce qu'il peut les bénir? Look at him and say if you can really bless them. You can bless them. Tu peux pas les bénir. You cannot bless them. Voilà. Donc toi aussi. So you also. Adopte une bonne position. You need to be well positioned. De référence. To be awake. Honor. To be honorable. À Dieu. With to God. Dieu là, on ne le voit pas. God, we cannot see him. Tu ne peux pas le voir. You cannot see him. Il dépasse la terre. He more than this world. Dieu là. God. Dépasse la terre. He more than this world. Quand tu connais la superficie de la terre. Do you know the end of this world? Tu peux attraper la terre. You cannot hold it. You can hold this world. Il dépasse la terre. He more than the world. Il dépasse le ciel. He more than the heaven. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on appelle le monde invisible. There are something, there are places we cannot see. We call it invisible world. Il dépasse le monde invisible. He more than the invisible world. Ça c'est Dieu ça. That is God. Et tu viens dans sa présence. But, and then you come in his presence. C'est pourquoi en Israël, that's why Israel, les gens craignent Dieu. People worship God. Amen. Amen. Ils craignent Dieu. They worship God. Donc, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire ça. So the Holy Spirit put in my heart to tell you. Amen. Amen. Parce que quand vous promenez, because when you
and down, quand vous bavardez, when you are shouting, vous installez sans le savoir, you are establishing without knowing, le règne des ténèbres, the power of the dark world. Amen. Amen. Parce que il est écrit. Because it's rewriting. Que notre Dieu n'est pas un Dieu de prison. That God is not a disorder God. Amen. Là où il y a le désordre, where there is disorder, là où il y a l'ennemi, there is your enemy. Et je vais attirer votre attention. And I will draw your attention. Sur votre propre vie. In your own life. Dans votre propre maison. In your own house. Si dans ta maison. In your house. Tu viens en désordre. You come with disorder. Sache que le diable est là. Know that the devil is here. Alléluia. Alléluia. Si dans ta maison. In your house. Il y a le désordre. If there is disorder, faut pas chercher ailleurs le péché. Don't look outside the devil. Le diable est là. The devil is here. La sorcellerie est dans ta maison. Witchcraft is in your house. L'un des signes par lesquels on reconnaît la présence de la sorcellerie. The one of the signs we can recognize the presence of a witchcraft. C'est le désordre. It's disorder. La saleté. It's uncleanness. Amen. Amen. Donc si vous êtes sale. When you are unclean, vous êtes désordonné à la maison là. You are disorder in the house. Vous vivez avec les sorciers. That means there is a witchcraft around. Donc la meilleure façon, the best way, de limiter les œuvres de la sorcellerie, to limiter the power of the witchcraft, c'est d'établir l'ordre autour de sa maison. Is to establish order around your house. La propreté. And cleanness. Amen. Amen. Ça attire la présence de Dieu. That can attract the presence of God. Les gens disent holy, holy, holy. People can say holy, holy, holy. Amen. Amen. Saint. Holy, holy, holy. Saint. Holy, holy, holy. Et il ne peut pas les regarder. And they cannot see him. Ils ont tous percé la tête. They are all cleaning down. Les anges. Angels. Les chérubins. Angels. Les séraphins. The seraphim. Ce sont des puissants anges. They are powerful angels. Et ils sont à côté de Dieu. And they are by God's side. Mais ils ne peuvent pas le regarder en face. They cannot see him face to face. Ils se mettent à genoux devant le trône. They can kneel down before the throne. Ils baissent la tête. And they bend their head down. Et tous disent. And they say. Saint. Holy. Saint. Holy. Saint. Holy. Au Seigneur éternel. Almighty God. Le tout puissant. The powerful God. Qui était. There was. Qui est. He is. Et qui vient. And he forever. Alléluia. Alléluia. C'est ce que les anges font. It's what the angels do. Mais toi. But you. Toi. You. Qui est là. You are here. Jésus t'a pris. Jesus took you. Et voilà ce qu'il va faire. And what he do. Look at what he did. Il va te faire asseoir sur son trône. He take you and place you in his throne. Hey. Et devant lui, les anges se mettent en chemin en disant c'est. A man where angels cannot even see him. Regardez comment tu as construit l'homme. Look at how you are most important to him. Qu'est-ce que l'homme? Who is man? Qu'est-ce que l'homme? Who is man? Pour que Dieu lui accorde cette attention. That God can bring this kind of attention. Qui es-tu? Who are you? Pour que Dieu te lève. That God can raise you up. Parce que ce que vous ne savez pas, because what you don't know, je vais vous révéler cela. I can reveal you that. Vous êtes tous élevés. You are all lifted. À la croix de Dieu. To the throne of God. Vous êtes avec Dieu. You are with God. Sur le trône. In the throne. C'est pourquoi il est le roi des rois. That's why he is the king of kings. Alléluia. Alléluia. On pense que tu es roi. You are a king. Tu es le roi. You are the king. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant? Are you understanding me? Donc, je te salue ce soir. So I salute you. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Je suis tellement content. I am very happy. I'm very happy. I'm very happy. I'm very happy. I am very happy. I'm very happy. I am very happy. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Bravo Jesus. Vous savez? Do you know? Il y a quelque chose que j'aime dans ce pays. There is something I love in this country. Quand les gens entendent parler de Jésus, when people talk about Jesus, ils aiment ça. They love that. Amen. Amen. Ils aiment Jésus. They love Jesus. Amen. Amen. Ils aiment Jésus. They love Jesus. Mais écoutez ce que Jésus a dit. But let's see what Jesus says.
Il dit, he said, si vous m'aimez, if you love me, si vous m'aimez, if you love me, qui aime Jésus ici? Who loved Jesus here? Qui aime Jésus ici? Who loved Jesus here? Qui aime Jésus? Who loved Jesus? Ah, tout le monde aime Jésus. Everyone loved Jesus. Amen. Amen. Il dit, he said, mon frère, he said, ma soeur, my sister, my brother, si tu aimes Jésus, if you love Jesus, dis si vous m'aimez. He said, if you love me, si vous m'aimez. If you love me, si vous m'aimez. If you love me, si vous m'aimez. If you love me, gardez le commandement. He said, keep my commandments. Gardez les commandements. Keep my commandments. Gardez mes commandements. Keep my commandments. Tout le monde dit Jésus, je t'aime. To say Jesus, I love you. Oh, je t'aime, Jésus. I love you, Jesus. I belong to Jesus. He said, I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jésus, regarde. Jesus, see you. Il dit, qui me donne cette déclaration? He said, who gave me this declaration? Déclaration d'amour. C'est qui la personne? Lovely declaration. Jésus, regarde. Jesus, look around. Et voit quelqu'un and see someone qui a porté mes derrière la tête. That wearing that kind of that hair long the way you can wearing. Amen. Amen. Qui a mis de collant? Putting short collant. Short trousers. Trying to work somehow ourselves. Qui a mis de rouge à lèvres? Popo and alache. Amen. Rouge. Pimpin or mop. Amen. Amen. Et il va placer des fossiles. Et Popo a lâché. Amen. Amen. Il va faire des make-up. Popin on make-up. Amen. Amen. Il va mettre des soins. Popin on nez. Comme ça. Oh, la wish crying you come. Il va mettre des hauts talons. Et Popo long hit. C'est comme ça. Et beware. Oh, mon Jesus. Short woman. That is the God. Alléluia. Alléluia. Jésus, regarde. Jesus, look. C'est à. Toi qui me dis, je t'aime. It's you that say you love me. Tu ne m'aimes pas. You don't love me. Tu ne m'aimes pas. You don't love me. Alléluia. Alléluia. C'est ça aujourd'hui le chrétien à chrétien. It's what today Christians. Beaucoup disent je t'aime. Many people say I love you. Je vais à l'église. I love you. I go to church. Je fais des offrandes. I make offering. Je fais la dîme. I pay my tithes. Je soutiens les pauvres. I can support the poor. Je fais du bien. I can do good. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la parole. Il y a quelqu'un dans la parole. There's somebody in the world. C'est une histoire. It's a story. Que Jésus nous a présenté, c'est pas une histoire même, c'est réel. That is a real story that Jesus explained to us. Amen. Ce que je vais vous dire, ça s'est passé dans le livre de Luc. What I tell you, it happened in the book of Luke. Luke, chapitre 18. Luke 18. Le verset 18. In verse 18. Jésus m'a dit. Jesus said. Il y a un homme. There is a man. There was a man. Un homme. A man. Qui a rencontré Jésus? He met Jesus. Et l'homme qui a rencontré Jésus? When he met Jesus, la Bible dit que c'est un homme riche. The Bible said he was a rich man. Et il dit bon maître. And he said master. Bon maître. He said bon master. Bon maître. Bon master. Bon maître. Bon master. Qu'est-ce que je dois faire? What can I do? Pour hériter la vie éternelle. To heritage eternal life. Jésus l'a regardé. Jesus look at him. Comme Jésus te regarde aussi ce soir. Like Jesus is watching you. Amen. C'est parce que il y a quelque chose qui t'a amené ici. It's because of something he brought you here. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit. Jesus said to him. Pourquoi m'appelles-tu bon? Why are you calling you good master? Il y a de bon. Que Dieu seul. He said, no one is handsome than God. Yes. Et Jésus a dit. And Jesus told him. Tu veux hériter la vie éternelle? You want to inherit eternal life? Tu veux aller au ciel? You want to go to the kingdom of God? Tu veux t'enlever? You want to be elevated? Est-ce que tu veux t'enlever? You
want to be elevated? He did oui. He said, well, yes. Il dit, ne veux-tu pas le commandement? He said, are you obeying to the commandments? Il dit, oui, j'ai tout observé. He said, I observe everything. Jésus regarde et parle. Jesus looked at him and said, yeah. Il demande une seule chose. I'm asking you for just one thing. Le Seigneur dit, de dire à quelqu'un ce soir. I want to tell somebody tonight. Il te manque une chose. You are lack of something. Dans ta marche chrétienne. In your journey, in your Christian journey, il te manque une chose. You are lack of one thing. Dans ta marche chrétienne. In your journey, Jésus l'a dit. Jesus told him, Monsieur le riche. He said, Mr. Rich man. Le monsieur est riche. Le monsieur est riche. The man was a rich man. C'est un homme riche. He was a rich man. Il n'a pas besoin de quelque chose. You don't need anything else. Il a tout à sa disposition. He have everything in position. Mais il avait un problème. But there was one problem. Il n'avait pas la vie éternelle. He don't have eternal life. C'est-à-dire qu'il n'était pas sauvé. He was not saved. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire. That means. Tu peux avoir de l'argent. You may have money. Et ne pas être sauvé. Without being saved. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir des bons enfants. You may have good children. Un bon mari, un mari gentil. A good husband. Quand il veut te parler, c'est un jour, il te caresse d'abord. Before he talk to you, he can kneel down and kiss you, even everything. Et ne pas être sauvé. But he not saved. Alléluia. Alléluia. Il dit, il te manque quelque chose. He said to him, you are lack of something. Il te manque une chose. The thing that he was lack of is Jesus. Jesus said to him, go. Tout ce que tu as. Sell everything you have. Tout ce que tu possèdes. Everything you possess. Vends tout. Sell everything. Sell everything. Et donne l'argent au pauvre. And give the money to the poor. Maintenant viens, suis-moi. Then come and follow me. Alléluia. Alléluia. L'homme riche. A rich man. Quand il a entendu cela, when he heard that, la Bible dit qu'il est devenu triste. The Bible says he became bitter. Pourquoi il est devenu triste? Why he became bitter? Qui peut m'aider? Pourquoi il est devenu triste? Who can help us? Why he became sad? Pourquoi? Why? Pourquoi il est devenu triste? Why he became sad? D'abord, il a de l'argent. You have money? Pourquoi il est devenu triste? C'était. Why he became sad? C'était à cause de quelque chose. It's because of. C'était à cause de quelque chose. It's because of something. C'était à cause de quoi? It was because of what? Il avait beaucoup de biens. He was having many goods. Comment se fait-il qu'il va tout ça, il va distribuer tout ça? How can that be possible for him to go sell everything he has? Jésus lui dit. Jesus said to him. Ma fille. He said. Tu es sauvé. He said, my daughter, you are saved. Tu es sauvé. You are saved. Oui, je vais sauver. Yeah. Maintenant, enlève les mèches. He said, take all the wheat. Enlève les rouges à lèvres. He said, move the laces. Enlève les pantalons. He said, move the long hips. Enlève les fossés. He said, move the fingernails. Enlève les fossés. Move, I don't want to call that, you all know me. Amen. Thank you, Jesus. God bless you. Amen. Alléluia. Alléluia. Enlève les pantalons. He said, remove the long trousers. Hein? Jésus dit, veux-tu être sauvé? Jesus said, do you want to be saved? Enlève toutes ces choses. Move everything. Enlève les vernis. Remove all the alachi. Enlève les boucles d'oreilles. Remove everything you have. All your hand. The Bible says the man became sad. Because he was confused to find the common path. He was coming. Because when he saw everything, how he would become. He was driving nice cars in the community. He was driving nice cars in the community. Somebody was having a garden party. Somebody was having protocol and many. The medical was sorting. People, you having Google cars. Les gens couraient. People are running. Pour le dire petit, bonjour. To say good morning, sir. Après de recevoir quelques billets. For them to receive. Quelques dollars. Small dollar. Jésus te donne tout ça.
Jesus condemned everything. Il est pour tous. He becomes sad. Parce qu'il est, à quoi il va ressembler? Because how he will resemble. Qu'est-ce qu'il va devenir? How he will become after selling everything. C'est la question que cet homme. That's the question he was asking himself. A commencé par se poser. He started to ask himself. Jésus a dit. Jesus said, enlève le mèche. Remove the weave. Si j'enlève le mèche, je serai comment? How will become? Okay. Hey. Alléluia. Alléluia. Si j'enlève le possible, if I remove the hat and chain, I will become like. Je serai comment? I will become coma. Si je passe le rouge à lèvres, if I remove all the pinching mouth, si j'enlève le poisson, if I remove all the fingernails, je serai comment? I will become coma. Le haut talent, si j'enlève, if I remove all the lawyer, I will become short. Le ministre, even the short short talent, si j'enlève, if I remove all the short, le pantalon, if the long trousers, le collant, the tight trousers, le culotte, the short short trousers. Je serai comment? How will become? Comment je serai? How the men will love me? Alléluia. Alléluia. C'est ça la question. That's the question. Jésus a dit à cet homme. Jesus said to that man. Vends tout ce que tu as. Sell everything you have. Vends tout, 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 tout. Everything. Tout. Everything. C'est pas vendu partiel. Not one part. Tout. Tu vas tout vendre. Everything. Sell everything. C'est ce que Jésus lui a dit. It's what Jesus told him. Vends tout. Sell everything. He said, don't when you sell everything, don't spoil the money. You may sell everything. Jesus said, don't keep the money. Don't sell poor. Give that to the poor. Don't sue poor. And come and follow. Voilà. You see that? The man began sighing. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. I said to a young girl. Oh, jeune garçon. Young man. Enlevez ces mèches. Remove the weave. Et mais si on enlève, on sera comment? He said, if I remove it, how will become? Est-ce que je vais me marier? We are getting married. Si moi j'enlève le collant. If I remove all the short trousers. Comment je vais me marier? How will get married? Si j'enlève le bijou. If I remove all the underwear. Comment je vais me marier? How will become married? C'est ça la question. Comment mon mari va me voir? How my husband will see me or my boyfriend? Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui. That's the problem today. Le dépouillement. Trying. Le dépouillement. Trying to be soft. T'es prêt à mettre par le dépouillement. That's all about softness. T'es pas entendu. Le dépouillement. Le dépouillement. Softness to be to le dépouillement. Le dépouillement. You understand that to become the soft for God. Le dépouillement. En anglais, on dit ça comment? Depuis mardi. Alléluia. Alléluia. Ça va venir, ça va venir. Amen. Amen. Ça va venir. Le message que j'ai pour vous ce soir. Écoutez-moi bien. Pour certains, ça peut troubler. It may trouble you. Pour d'autres, ça va être la confirmation des révélations. Some people, it will be the confirmation of revelation. Tout à l'heure, je disais ceci. Just now, I was saying. Jésus dit, si vous m'aimez, if you love me, gardez mes commandements. Keep my commandment. Amen. Amen. Il dit, he said, je suis saint. He said, I am holy. Vous aussi. You also. Vous serez saint pour moi. You will be holy for me. Car je vous ai séparé du monde. When I separate you from the world. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, but today, malheureusement, le mal, the baddest thing, qui roge l'église, that suffering the church, au Libéria ici, in this country, avant de venir ici, before I came here, j'ai pris le temps de connaître un peu l'église, I take a little bit time to know the church of this country, j'ai pris le temps de connaître un peu. I took some time l'église to study the church of Liberia. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs. Les pastors. Les prophètes. Les prophètes. Les apôtres. Les apostles. Les évangélistes. Les évangélistes. Les docteurs. Les doctors. Qui sont dans les églises de Liberia ici. They are in the church. Ne nous ont pas dit toute la vérité. They don't tell you all the truth. Vous savez pourquoi? You know why?
Parce que en vous disant la vérité, ça va vous choquer. To tell you the truth will shock you. Et vous allez quitter l'église. And you will move the church, you will leave the church. Vous n'allez plus apporter les offrandes. You will bring offering. Vous n'allez plus apporter les dîmes. You will bring tithes. Toi, toi, femme. You woman. Et tu vas venir à l'église. You will come to church. Avec des hauts talons. With long heels. Avec des messes encombrées. With heels. Et des faux hommes. With long nails. Et l'argent. Like de l'offrande. And you hold your money without no money, you can't put it in the pastor. In front of the pastor. Il doit te dire, you will tell him. Reprends ton argent. He said, carry back your money. Sors cet argent d'ici. Take this money from here. C'est l'argent du chien. It's satanic money. C'est l'argent du chien. It's a satanic money. L'argent de la prostitution. It's a prostitution money. Sois avec l'argent. Get out of with your money. Quel pasteur peut faire ça? Which pastor can do that? Hein? Which pastor can do that? Hein? Ask me. Move the phone. Hein? What? I can't answer. Wait a minute. You see that? Oh, this is a trap. You have to do that, my friend. And what you are doing is bad. Et le pasteur ne t'a pas dit, ma fille, répands-toi. And the pastor will not tell you, on n'a pas besoin de ton argent. We don't need your money. On a besoin de ta repentance. We need your repentance. Parce que il veut de l'argent. Because he needs money. Il ne vous dit pas la vérité. He will not tell you the truth. Regardez comment les gens s'habillent dans l'église. They see people dressing any kind of way to go. Vous êtes venus ici hier. I came here yesterday. Très tôt déjà, on est déjà dans la ville. Je regardais comment les gens s'habillaient par la loi. I was looking how people were dressing. J'étais abattu. I was very shocked. J'étais triste. I was sad. Je vois ces personnes aller à l'église. To see that kind of people. Quel message on leur prêche? I say what kind of message they preach to them. Oui, je vois que tu vas voyager dans un mois. Well, I see that you will travel this week. Est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy? Prophesy, papa. Daddy, prophesy. Prophesy, daddy. Hallelujah. Yes. Vérité. Je vois que tu vas te marier dans un mois. I see that you are getting married, mama. Il faut battre le pain. Go to the hotel. Hotel de 100 000. Go pay $100 there. Il dit amen. C'est amen. Oh, vous s'amusez à les églises. They play with you in the church. Et vous êtes content. On est content. You are happy. You are contented. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous savez du mal à ton vérité. Because they can hurt you when you hear the truth. Que pas de vérité vous amusez. Que pas de la vérité. When they speak the truth, say you, it can hurt you. Vous avez le mal de la vérité. You are hurt with the truth. Hallelujah. Hallelujah. Vous avez de la démangeaison. You are hurt when they tell you the truth. T'entends la vérité. To hear the truth. Et vous aimez quand vous flattez les flatteries. And you love when they are flattering you. Les circuits de flatterie. The churches that flatter you. Les circuits churches that fool you. Tout ta prospérité. Prosperity message. Tu vas libérer tes biens de ta famille. You will be free from your family altar. Aujourd'hui, nous allons libérer les grâces. Today we are going to release power. Nous allons activer les finances. We're going to activate the financial. C'est cette église aujourd'hui. In the church today. L'église est remplie de paix. And the church is full of pagans. C'est possible que vous ne sortez pas de ces églises. And they don't want you to move from the church. Le message que vous entendez. Because what you can hear. C'est un message révolutionnaire. It's a revolutionary message. C'est ce message que Jean-Baptiste prêchait. It's that kind of message John the Baptist was preaching. Et il prêtait les pharisiens race de vipères. And he was making the Pharisees to be one place. Race de vipères. Alléluia. Hallelujah. Race de père. You are making the flattery them. The religion.
Les religions de l'époque de Jean-Baptiste. Religion from John the Baptist day. Se traitait de vipère. Religieux d'aujourd'hui. Religious people. Porte aussi la même semaine de race de vipère. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste. John the Baptist. Préparait qui l'arrivée de Jésus. He was preparing the coming of Jesus. Quel message? Repentance. Which message? Repentance. Alléluia. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui préparait le chemin. John the Baptist was pour l'arrivée de Jésus. For the coming of Jesus. Alléluia. Alléluia. Donc si nous sommes conscients que Jésus revient. So if we know that Jesus is coming back. Nous devons prêcher quel message? What kind of message can we preach? Quel message? Which message? Le message de Jean-Baptiste. The message of John the Baptist. La repentance. Repentance. Les églises sont mortes. The churches. Alléluia. Alléluia. Les églises sont mortes. Churches are dead. Les églises sont mortes ici. Churches are dead here. Il n'y a pas de vie dans les églises. No life in the church. Il n'y a pas de vie. No life. C'est parce qu'on va danser. Non. Dance. C'est pas ça. Not it. C'est parce que l'église, il y a la climatisation. Not because we got an air condition in the church. Or they get tired in the church. Everyone drive car. They can't sit in turning chairs. Some people come and put their foot up in the church. It's a deaf churches. They are dead. Les gens ont mis toute leur attention sur le bâtiment et non la personne. People put their attention on the building and their personality. Le problème, the problem, the dirigeant de ces églises, c'est l'argent seulement. The directors of the churches is just for money. En tout l'argent, mais le compte est tant qu'il faut aussi. They count the money, they don't count the amount of people that are going to heaven. C'est pourquoi nous sommes là. That's why we are here. Pour le réveil de l'église de Liberia. To bring revolution and to also bring. Nous sommes là pour le réveil de l'église de Liberia. We are here to re-wake again. Yes. Amen. Alléluia. Oui, dans le même vous recevez le message. The way we preach the message. C'est comme si le message vous fatigue. It's like the message making you weak. Amen. Amen. C'est parce que vous n'êtes pas habitué à entendre ces choses. Because you are used of screen messages. Tu n'es pas habitué à entendre ces choses. You don't used to this kind of message. Bien-aimé. Brothers. Je sais que tout le monde ici sait que la voix existe. Amen. Tout le monde sait que la mort existe. Everyone know that death exists. La mort existe. Death exists. Aujourd'hui. Today. Quelqu'un est mort. Somebody died. Aujourd'hui. Today. Quelqu'un est mort. Somebody died. Tout à l'heure. Now. Quelqu'un est mort. Somebody died. Maintenant. Now. Quelqu'un ne mourit. Somebody died. Tout à l'heure. Now. Quelqu'un va aussi mourir. Somebody will die again. Alléluia. Alléluia. Donc, quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, no matter what you will do on this earth, la mort est le dernier rempart. La death is the last stage. Et la mort n'avertit jamais. And death cannot warn before you come. Ceux qui sont morts ne savaient pas qu'ils allaient mourir. People that are dead today, they never knew if they could die. Ils sont sortis ce matin. They just wake up this morning. Ils ont dit au revoir, chérie. They say bye bye, my love. Je vais acheter du pain. I'm going to buy bread. Tu vas amener des spaghetti. I will bring spaghetti. Tu vas amener les yaourts. I will bring fruits. Ok, papa, il faut l'amener les yaourts. Oh, papa, il m'a sent for me. Et c'est la dernière fois. But that was the end. Il est parti. Il est bon. Accident, mort. Accident, that's it. Alléluia. Alléluia. Voyez. You see that? Est-ce qu'il était prêt pour mourir? He was now ready to die.
que le dimanche, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Why we happy for him? Où est-ce qu'il est là? Where will he be? Il est là où? Where he is? Il est là où? Where he is? Hell. In hell. Hallelujah. Hallelujah. Enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Are you getting me? Je veux tout simplement vous dire. I just want les choses derrière lesquelles vous courez tous les jours là. Behind what you are running after every day. C'est cette même chose qui peut vous conduire à mort. It's the same thing that can direct you to death. C'est pourquoi la Bible appelle ça les vanités. That's why we call the message of vanity. Vanité. Recherchez la paix. He says, seek happiness. Et la sanctification. And sanctification. Sans laquelle. Without that. Nul ne verra le Seigneur. No one will see God. C'est clair. That's clear. Alléluia. Alléluia. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Without sanctification, no one will see God. Mais si tu ne te sanctifies pas. If you do not be righteous. Il est hors de question que tu vois le Seigneur. That means you will not see the Lord. Et je vais vous apporter quelque chose. And I will tell you something. Vous savez, you know, la plupart des églises, ce que je veux dire, c'est la vérité plus 100%. It's a truth. La plupart des églises, dans lesquelles, there are some churches, on fait des délivrances. We can do deliverance. On chasse les démons. We can drop out demons. Écoutez-moi bien, on chasse les démons. Les démons parlent. Dimanche, oh, c'est moi, je suis la tante. Oh, I'm here, I'm in. Je suis venu dans sa vie pendant qu'elle entend ton bébé. J'ai volé ça. I stole that. D'accord, maintenant, faut sortir. Now, leave. Sors. Get out. Et il sort. Get out. En réalité, ce que je vais vous dire, c'est quoi? What dans cette église-là, il n'y a pas réellement de délivrance. There is no deliverance. Je vais vous expliquer pourquoi. I will explain you how. Le démon, the thing, il s'en va. They can go. Et il attend dehors. But they are waiting for you outside. Alléluia. Alléluia. La personne qui a chassé le démon a encore les choses du diable encore sur elle. The person in which they drive the demon, the person still have what attracting the demon. On a chassé la fille de Manu Wata. They will drive out a nightmare. Amen. Amen. L'esprit de Manu Wata est sorti. And the nightmare leave. Non. But elle a encore les colons sur elle. She still have that social trust. Elle a encore ses béni. She still have that feeling. Elle a encore ses boucles d'oreilles. She still have that ear. Manu Wata va plus sortir d'elle. Manu Wata may come again. Parce qu'elle sait que tout à l'heure, elle va sortir, va reprendre. Va reprendre le corps. Because she know that. Et quand cette personne va sortir, as soon as the person get out, Manu Wata va revenir. Manu Wata will come back. Et elle va encore avoir le même problème. And she will possess him again. C'est pourquoi le démon sort facilement dans ces églises. Because demon can leave the church. Parce que ils vont revenir rapidement aussi. But they will come quick again. Alléluia. Alléluia. Donc si tu as ces choses sur ton corps, so if you have things in your, et que nous parlons, c'est des choses dangereuses. And we are telling you they are dangerous for you. On ne t'a pas dit d'enlever les mèches et de nous donner ça. We are not telling you to remove your wing and give it to God. Quand Jésus a dit à ce riche-là, When Jesus told this man, vente bien, tout est bien. Go and sell all your goods. Jésus a donné l'argent. Jesus asked him to bring the money. Il a donné l'argent. He asked to bring the money. Donne ça au pauvre. He said, give it to the poor. Toi, tu es tu and you come and follow me. Ce que tu aimes là, what you love, tu dois enlever ça. You need to remove it. C'est ça. That's it. Si tu n'enlèves pas, tu ne peux pas suivre Jésus. Si tu n'enlèves pas, tu ne peux pas être sauvé. If you don't remove it, you can't be saved. Aujourd'hui, regardez la jeunesse. Today, look at the young people. C'est ça même le problème. It's their problem. La jeunesse aujourd'hui. The young people today. Cigarettes. Smoking cigarettes. Alcool. Alcohol. Délinquance. To be rebel or so go, il a bien voulu so go. Destroy.
pantalon, short trousers, you wear that we call it raga. C'est ça la jeunesse aujourd'hui. It's what the youth will do today. Alléluia. Alléluia. Celui qui porte des seuls, s'il meurt, people who wear that kind of thing, est-ce qu'il peut voir le Seigneur Jésus? Can they see the Lord? Avec le destroy. With that kind of thing. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Clap for the Lord. Amen. On ne disait pas la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux vous parler de quelque chose de moi à propos de Dieu. I want to talk to you about something. Depends. If you are here. Si toi ton problème dans l'église, j'ai compris pour toi, to pray for you, que tu sois délivré. Alléluia. Alléluia. Si toi, and you, ton problème dans l'église, your problem in church, c'est qu'on cherche la sorcellerie. Is to drop witchcraft. Tu t'es trompé. You are in error. Tu t'es trompé. You are in error. Alléluia. Alléluia. Tu n'iras pas au ciel. You will not go to heaven. Amen. Amen. Mais si tu es là. But if you are here, et que ton seul problème, and your only problem, c'est comment tu sauves réellement. It's not to really be saved. That means you have everything. C'est quoi Jésus dit? That's what Jesus said. Recherchez le royaume d'abord. He said, seek ye the kingdom of God. C'est pourquoi le salut d'abord. He said, the kingdom and salvation first. Après tout, and after that, ce dont tu as besoin, tu l'auras. All those things will follow you. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses qui sont avec vous. There are some things that with you. Et derrière ces choses se cachent des esprits qui vous combattent. And behind that thing, there are spirits that are commanding you. Il y a des gens qui ont peur de marier de nuit. There are some people that are wearing nightmare. Quand ils dorment la nuit, when they sleep in the night, ils ont toujours des rencontres nocturnes. They are always having like sex in their dreams. Quelqu'un vient toujours les violer. They are always come to have sex with a dream. Amen. Amen. Quelqu'un vient toujours leur donner à manger. They always give them food in their dream. Dans leur rêve. In their dream. Et ils se réveillent le matin. And when they wake up in the morning. Parfois, ils continuent de manger dans leur réveil. Sometimes they even continue eating while they are awake. Ils continuent encore de manger. C'est-à-dire qu'ils continuent encore de sentir l'odeur. They continue to notice that they eat. They can still smell the same. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes attaqué comme ça? You know why you are attacked like that? Je parle aux chrétiens d'abord. Talking to a Christian. Ne parle pas. I'm not talking about pagans. Aux chrétiens. Christians. Vous savez pourquoi? You know why? Vous savez pourquoi? You know why? Parce que vous transportez des choses. Because you are carrying things. Pour ces esprits dans votre vie. For those spirits in your. Dans votre maison. In your house. Satan. Satan. Si il n'a rien de lui en toi, il va pas venir. If he don't have something on you for him, he can't come for you. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, Jesus said, le prince du monde arrive. He said, the prince of this world is coming. Mais il n'a rien en moi. He said, but you have nothing with me. Marie de lui vient. He said, a nightmare may come. Femme de lui vient. Night woman may come. Mais il n'a rien en moi. But he have nothing in me. Lorsque tu as mis les mains sur toi. When you remove the wing, faut pas t'attendre à autre chose que la visite de Marie de lui. If you don't remove it, don't expect anything without the visitation of me. Derrière ces choses, derrière cela, behind this wing, les esprits de sirènes, is barrenness spirits. Les esprits de sang, water spirits. Posez-vous cette question. Ask yourself this question. Pourquoi de plus en plus, why most of les femmes sont plus possédées? Women are always possessed by demons. Possédés de l'esprit de Marie de nuit. Possessed by nightmare. C'est à cause des choses que vous mettez sur votre corps. Because of those things you can wear. Faites attention désormais. Be careful with those things. Alléluia. Alléluia. Plus de mèches. For the wind. Plus de make-up. No make-up. Plus de value. No highlight. Les boucles d'oreilles que vous mettez sur les oreilles. The earring. Derrière la boucle d'oreille. Behind the earring. Vous savez ce qui se passe? You know what can happen?
Regardez qui est Dieu. Look at. Tu as créé l'homme. God created man. L'homme. Man. Alléluia. Alléluia. Il a créé la femme. And he created a woman. Et quand on prend l'homme et la femme. And when we talk about man. Vous voyez qu'il y a une différence. You see that difference in there. Okay. C'est ça, non? L'homme et la femme sont différents, non? Man and woman are different. Qu'est-ce qui les distingue? What can differentiate them? Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui distinguent l'homme de la femme. There are many things that show the difference between man and woman. Le plus grand élément qui distingue l'homme de la femme, c'est le sexe. The best thing, the thing that separates man and woman is they are. Est-ce que sur le corps humain? Est-ce que sur le corps humain? On human being. Est-ce qu'il y a des trous? They have hole. Est-ce qu'il y a des trous sur le corps humain? There are some hole on man, on somebody. Répondez-moi, est-ce qu'il y a des trous sur le corps humain? You need to respond. Il y a des trous, oui ou non? You see some. Il y a des trous, très bien. You see il y a des trous. Le nez, c'est pas des trous? Les oreilles, c'est pas des trous? Etc. Amen. Hole everywhere. Mais regardez Dieu. But look at God. Dieu, il n'a pas mis trou ici. God don't put hole here. Il n'a pas mis trou ici. Don't mais les hommes, of men, les femmes, women, on dit non. They said no. Dieu, God, Dieu a mal fait. You made mistake. Mais les trous, tu as oublié de mettre les trous, tu as oublié. Pull here, you forget about them one. Nous même on va mettre les trous. We will pull it before you forget. Alléluia. Nous même. We are. Nous allons mettre les trous. Parce que toi, tu ne sais pas bien fabriquer. Et les hommes ont recréé la nature. And they created nature. Ils ont percé les oreilles. And they boyed. Ils ont dit non, quand on perce les oreilles. When they boyed it, c'est pour montrer que c'est la femme. To show that you are woman. Donc Dieu lui-même s'est trompé. So God himself, he made mistake. C'est ça l'ignorance. It's what we call ignorance. Quand tu poses la question aux gens. When you ask people. Dis non. They say no. C'est la culture. It's a culture. C'est quoi? You move for here, c'est our culture. This is our culture. Tu vas pas you want or you fou. My friend, move for here, you are a fool. Alléluia. Alléluia. Tu es fou. You are a fool. Amen. Alléluia. C'est que ça scandalise. What is what we doing? Oh, ça n'a jamais été la volonté. It can never be the way of God. En réalité. Dans la Bible, in the Bible, ceux à qui on perce les oreilles, people that bow their ears, ce sont les esclaves. They are slaves. Des esclaves. Slaves. Donc, les boucles d'oreilles constituent un signe. It's a sound d'esclavage. A slave. Alléluia. Alléluia. Donc toutes les personnes. All the people. Qui mettent des boucles d'oreilles. Earring. Qu'elles soient des femmes. Be woman. Qu'elles soient des hommes. Men. Ils sont des esclaves. They are slaves. Alléluia. Alléluia. On dit boucle. That earring. Et boucle d'oreille. Earring. Boucle. Ça veut dire quoi? It means what? Fais-le. It means close. C'est ce que ça veut dire boucle. Et that means that. Fermez les oreilles. Close your ear. Pour ne pas entendre. So that you can hear. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi that's why vous allez constater you need to, you will la première fois most often, qu'on a percé les oreilles, when they pull the ears, quelque chose s'est passé. Something happened. Vous ne pouvez pas dire deux choses se sont passées. Something happened. Première chose, first thing, le sang a coulé. Blood wasted. Deuxième chose, second thing, les cris de peur. Crying happened. You shouted, you cried. Alléluia. Amen. Je vais expliquer la beauté spirituelle. You explain spiritual things. C'est ça deux choses. Two things. Lorsque le sang coule. When blood wastes. Le sang c'est quoi? The blood means what? C'est la vie. It's life. La vie est dans le sang. Life in blood. La personne à qui on a percé la vie a donné sa vie. The person that put their ear gave their life. La personne qui a percé l'oreille plutôt. The person that put their ear a donné sa vie. They gave their life. À qui? Cette personne a fait une alliance. They make a covenant. Le sang est le symbole d'alliance. Blood is a sign of covenant. Donc,
Si tu ne fais pas alliance avec Dieu, if you don't make covenant with God, donc tu fais alliance avec qui? Satan. Satan. Alléluia. Alléluia. Très peu de gens ont consacré les enfants à Satan. So very soon you will need more than consacrer to Satan. Dieu va le dire. That's what God will say. Que vous serez mes enfants. You are my children. À mon ordre. With my order. Toi, papa. Your parents. Toi, papa. Your father. Toi, maman. Your mother. Qui m'écoute en ce moment? That are listening to me now. Qui pèse les oreilles de tes enfants? That pour the ear of your children. Tu dois te repentir. You need to repent. Alléluia. Alléluia. Tu dois te repentir. You need to repent. Parce que tu es en train de livrer ton enfant, tes enfants à Satan. Because you are giving your children life to this. Ça ne vient pas de la Bible, s'il vous plaît, écoutez. Don't come from the Bible. C'est vrai, vous avez fait erreur. Dieu gloire à Jésus aujourd'hui. Maybe you make error and glory to God. Vous avez enlevé les boucles d'oreilles. You remove all the earrings. Attendez les femmes qui ont enlevé les boucles d'oreilles. Remove the part of you that remove your earrings. Amen. Amen. Il y a tellement de choses que je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. There are many things but I don't want to go in deep. Amen. Amen. Ce que je veux dire aujourd'hui. I want to tell you tonight. Si tu vas dans une église, if you go to a church, et tu vois que les gens mettent une mèche sur la tête, you see people wearing wigs, faut savoir que tu es dans une église de la mort. Know that that church is a death church. Prends ton sac. Take your bag. Prends tes enfants. Take your children. Mets-les dans tes bras. Put them in your arms. Et courir, sortir. And run, get out. C'est mieux de rester à la maison. It's better to remain. Que dans une église de Jézabel. Than to remain in Jezebel Church. L'église de Jezebel. Jezebel Church. L'église de Jezebel, c'est l'église de les femmes en mèche. The Jezebel Church is a church where les femmes en pantalon. We dress up. Alléluia. Alléluia. J'ai lu un documentaire la dernière fois. Okay. He went to a motel. Et dans le documentaire, no, he read a ça s'est passé sur la chaîne France 24. Écoutez-moi bien. You read a document. Pense 24. Et qu'est-ce qui est dit dans le documentaire? What was saying the document? Il y a une loi. There was a law. Qui était abrogée? That was placed. En France. In France. La loi était là depuis plus de 200 ans. The law was here more than 200 years. Et quelle est cette loi qui était abrogée? And when the law was established. Cette loi a été portée sur le port de pantalon de femme. The law was based on women wearing long. La loi interdisait aux femmes. Sur la chaîne France 24. Amen. Amen. Donc ils ont approché la loi. So they placed the law. Ils ont dit de faire à la loi. They said they established the law. Et les femmes sont contentes. And the women was happy for et tout désormais on peut porter pantalon. Say next time we can wear trousers and free. You see that? Ça veut dire qu'eux-mêmes ont mis dans leur loi. That means they are saying. La femme ne doit pas porter pantalon. They put it in the law that women cannot wear trousers. Et les femmes qui mettaient pantalon là. And the women that wear trousers. Les gendarmes les traquaient. The women, the baby women. Si tu es femme. If you are woman. Et tu mets pantalon. And you put trousers. À cette époque là. At that time. En France. Small. On va te pastorer. We will. On va te frapper. We will beat you. On va te jeter en prison. We will put you in jail. C'était pas permis à la femme de porter pantalon. It was not permitted for woman to wear long trousers. Toi qui portes pantalon. You that wear long trousers. Dit que la femme ne doit pas porter habit de. The Bible says woman cannot wear. Et l'homme ne doit pas porter habit de femme. And woman cannot wear dress of woman. Non, c'est pantalon de femme. Non, c'est pantalon de femme. Now women trousers. Hey. Pantalon de femme. We need trousers. À la maison, papa. Qui porte pantalon à la maison? In your house, who can wear trousers? Qui porte pantalon à la maison? C'est qui? The between the mother and the c'est qui? Father. Alléluia! Amen. Amen. Jésus vous a dit. Amen. C'est l'homme qui porte un pantalon. It's man that wear trousers. Alléluia. Alléluia. Le pantalon. Trousers,
C'est un symbole d'autorité. It's a sign of authority. Look at women that wear trousers. Elles sont orgueilleuses. They are always arrogant. Tu ne peux pas les parler. Not talk to them. Elles vont te répondre. They will respond. Toi, tu es qui pour me parler? Who are you to talk to me? J'ai mon mot à dire. I have something to say. Yes. Alléluia. 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 Vous voyez? You see that? C'est pourquoi Dieu. That's why God a interdit à la femme de s'habiller comme l'homme. He stopped. Woman from les églises qui ne vont pas porter pantalon là, il faut fuir. The pastor si la femme portait pantalon, il ne va pas dire ça. The pastor si the women wearing trousers, you don't tell them. C'est un faux pasteur. It's a false pastor. False prophet. False apostle. False evangelist. False evangelist. False doctor. False doctor. Hallelujah. Quittez. Move. Go. Leave. Voilà. Leave. C'est les églises de Jézabel. It's the Jézabel churches. Jézabel. Si tu vas dans une église, écoute-moi ici. You go to a church, listen to me. Et dans quelle église? In that church. La femme. Woman. Viens ici. Come up here. Hallelujah. God bless you. God bless you. Je vais prier pour vous. Can I pray for you? Okay. Même si elle met va. Even she get pull, I don't know she get. Même si elle lève boucle. Even she remove. Même si elle lève mèche. Even she remove the wig. Elle lève le corps. Even she remove everything. Elle porte de l'or. And even she wear that. Et ça parlait tout les rues de Borovia. And she long down that can even sweep the road. Pour entrer dans l'église, on garde les robes comme ça. To go to Wenja and Porogo. Il y a bien de temps. Porogo all around. Il faut fuir. You need to run. Alléluia. Et les églises dans lesquelles le pape prêche, pape pasteur. The churches that own by one. C'est les églises de Jézabel. Jézabel churches. Ce que je vous dis la vérité. What I tell you is true. Vous devez sortir de ces églises-là. C'est pourquoi nous parlons de modèle. That's why we're talking about. Il faut que vous compreniez que c'est pour vous tomber. You need to understand all that. La Bible qui n'est pas permis à la femme d'enseigner. Mais les hommes disent non. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Have no sex. Il est descendu sur les hommes et les femmes. He came down to men and women. Pourtant tu as dit, moi je suis blanc. What God said, je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre autorité sur l'homme. God said, on in the Bible, I cannot permit woman to teach. Alléluia. C'est les églises de la mort. It's a churches that die. Église de maman pasteur. A church of mama pastor. Mama prophétesse. Mama prophétesse. S'il te plaît, c'est les églises de la mort. Please, there's a death. C'est les églises de Jézabel. Churches. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ces choses pour vous prévenir. I tell you those things to prepare you to warn you. Parce que le Seigneur a voulu que nous prenions un peu de moment pour vous enseigner sur ces réalités. The Lord wants us to preach on afin que vous soyez vigilant. So that you can be vigilant. Là, vous êtes venu. When you come. Là, vous êtes arrivé. Where you are entered. Là, vous êtes en ce moment. Where you are now. C'est une église de sainteté. It's a church of sanctification. Église de sanctification. It's a holy church. Je ne vais pas voir les mèches sur la tête des femmes. You will not see wind on woman. Vous n'allez pas voir les rouges à lèvres. Vous n'allez pas voir les make-up, les boutons, les vrais talons. Soyez simple. Be simple. Et ce que je vais dire pour terminer, on va prier. And what we say to end so we can pray. C'est que les femmes, écoutez-moi bien. Woman, listen to me. Votre habillement, your dress, intéresse le diable. Your dress sometimes attracts the devil. Votre habillement. Ça intéresse le diable. Sometimes the devil. La manière dont vous habillez. The way you dress. Ça intéresse le diable. Okay, I've tried the devil in dressing. Si tu es ici. If you are a woman here. Et à la maison. And. Et à la maison. In your house. Tu mets pas. You put. Tu mets pas jusqu'ici. You put la power here. Et ta poitrine est libre. And here is. Et peut-être tes seins sont dehors comme ça. And you put the breast outside. Soit tu es dans la sorcellerie.
that you are in wish. Tu es possédé d'esprit de sorcellerie. You are possessed with wish spirits. Alléluia. Alléluia. Le corps de la femme est sacré. The body of a woman is holy. Pourquoi les femmes elles mettent n'importe quoi, elles sont comme ça, elles sont nues comme ça. Le corps est devenu. You see a woman sometimes in the morning or they are working. In the morning, then she working. Good morning. Then she tally la paille. How are you? T'as bien dormi la nuit? Do you see how you sleep out everything? Tu dis que tu fais ça pour te répandre. If you are believing that you do repent. Tu es sous l'influence de l'esprit de sorcellerie de Jézabel. Under the influence of witch. Certain avec des sandales. People who came with that kind of dress. Et on voit leur plat. And you see their hand. Est-ce que vous savez d'où vous parlez? Do you know that your parents? Peut séduire un homme. Can turn men. C'est possible non? Do you know that make a fall in with? Pas de robe. Toi, t'as ça qui est ici. You wearing, you need to wear something all the way here. Dans l'homme voit tes cuisses là. When men see you near your feet. Ça peut le séduire. When your life devient quoi? Jézabel. And your life becomes Jézabel. C'est pourquoi vous devez bien vous habiller, même à la maison. That's why you need to wear, be well dressed. Et vos enfants aussi, vous devez bien vous habiller. And you are teaching also your children to wear. La fille, c'est elle qui dort. Tu as levé pour moi. Si la gueule là, elle est sleeping. Voilà. Viens, s'il te plaît. Viens, ma fille. Please come. Come. Voilà. Tu as bien dormi. C'est pas grave. Faut venir. Quand tu as fait ce tirer là, faut venir. Viens, tu passes par où? Faut venir. Voilà. Amen. Tu peux accabler le Seigneur pour sa vie. Ça va? How are you? Fine. Tu as bien dormi, hein? You sleep good, hein? Tu as rêvé? You dream? Tu as fait des rêves? Tu as dormi, non? Il va sleeping. Alléluia! Ne le fais pas à l'église. Amen. Tu veux pas monter, monte ici. Go up there. Je vais enseigner quelque chose à travers elle. I want to teach something through her. Vous l'avez vu? Vous avez vu la main de cette habillée là? You see how she dressed? Vous l'avez vu? Elle a porté sans taille. She wears something. Vous l'avez vu? Ses bras sont à l'air libre, ne sont pas couverts. You can see this and that power. Déjà, c'est un problème. That is a problem. Amen. À la maison là. Ça là là. In the house here. C'est à la cuisine. In the kitchen. À la cuisine. In the kitchen. Tu peux t'habiller comme ça, femme. And dress like this. Sous la douche. In the bathroom. Amen. Amen. Mais quand tu es sorti de ta maison, if you want to go, et tu es passé pour te voir là, tu es obligé de couvrir le corps. If you want to go out of your home, you need to cover everywhere. D'ailleurs, tu peux être à la santé. D'ailleurs, you see there, stop here. Toi, car c'est venu au genou. C'est pas descend. And now calm down. Si tu es femme, tu t'habilles comme ça, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. C'est dangereux. C'est pourquoi ce que je veux vous dire ce soir. That's why I want to tell you tonight. Pour demain, c'est bien habillé pour sa femme. You need to dress your children's boots. Ne vous limitez pas aux deux personnes. Même les enfants, les bébés aussi ont besoin d'être bien habillés. Don't just limit yourself with baby people, but even children like this need. Elle a mis son voile. Voilà, Jésus. She cover her head. Mais glory to God. Ce qu'elle a porté. But what she wear. Ne reflète pas la sainteté. Et qu'elle refère sanctification. Amen. Amen. Donc elle doit porter des habits qui descendent. She need to wear a trash. Tu ne peux pas acheter des longues robes à vos enfants. Need to teach your children how to wear. After the long run, you need to buy some gun that can go all the way down. Amen. Amen. Et quand vous allez acheter les choses, regardez le signe qui est sur la. And when you buy, you need to also see the covering. Amen. Act
acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ah, autre mousse. Faible. Savais-tu? Papa. Bah écoute, Nancy. Vêtement. I'm hot. Vêtement peut amener ton enfant poussé des démons. I am hot when I see this kind of thing. Il y a un cas comme ça qu'on a pris en Côte d'Ivoire. There is a case like this we fast in Africa. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. There is a pastor in Africa. La vidéo sur YouTube, sur la chaîne. The video on YouTube. C'est un jeune enfant de 7 ans. It's a 7-year-old child. Et un jour, on était à la délivrance. One day we were doing a deliverance. J'ai reçu la maman. I received the mother. J'ai changé avec la maman. And I was talking with the mother. Et le petit était à côté de la maman. And the boy was close. Et c'est un petit vraiment, on dirait que tout m'amuser avec lui. And now a boy that I always love to play. Je le prenais le sac côté de moi, j'ai changé avec sa maman. He can be with me sometime, you know. Et quand j'ai fini de changer avec sa maman. When I was talking with him, j'ai prié pour la maman. I pray for the mother. Amen. Amen. Et j'ai demandé comment peut-être d'enfant. And I asked, what about your son? J'ai dit Yeshua, dis-moi. I said, what happened to tu veux que je prie pour toi aussi? You want me to tell me? Quel est ton dessin arrivé prévu? Je ne sais pas comment le voir venir. Quel est ton dessin arrivé préféré? He said, what your desire for dessin animé. Oh, he said, what your desire for drawing? Amen. Drawing. Quel est ton dessin arrivé préféré? What drawing you love? Et il m'a dit, poutre. He said, book. I don't know that. Poutre. I don't know something like that, but just. Le dessin de poutre. Elle a dit, poutre, elle est venue comme ça. En même temps. He said, et il a commencé par me dire, on va avoir la force comme ça. He got that animal, I don't know the name in English. Aussitôt. He got that name, she began to. Le démon poutre s'est manifesté en lui. And the demon began to manifest in her. Et ses yeux changés. And her eye change. Il est devenu comme ça. She became un putain de 7 ans. Just that. C'est comme si quelqu'un le rompt. She became very very strong and speed. Et j'ai appelé les autres sur le coup de venir. And I call people around. Et quand les autres sont venus là, il les a jetés. He came and dropped the head. Un enfant de 7 ans. 7-year-old child. Il a cassé le carreau. Il bosse des tas. Le carreau de la de la salle, il a cassé ça. Il bosse des tas. Il a cassé le carreau. Il bosse des tas. Un enfant de 7 ans. 7-year-old child. Le démon. Le démon. Ça n'a pas été facile de le chasser. It was not easy to get him out. Tu me parles de quelque chose, regardez bien. I'm talking about something, look here very well. Vous avez vu son vêtement? You go see, you see there. Il y a un design. There is a design here. Ce design-là. The design here. C'est un dessin animé. It's a design of animal. Amen. Amen. Et ce dessin animé-là. And this animal here. C'est la tortue ninja. It's like I don't know the name, forget about it. Tortue ninja. Tortue. Comment on dit tortue en anglais? Tortue. Voilà, ninja tortue. C'est ça, non? It's a tortue, alright, tortue that. Ninja. Voilà les quatre frères. This not Toto here. Amen. And I don't know him, right? Ce sont des dessins animés. Alléluia. C'est un robot, right? Donc, l'enfant là. So this child. En mettant le vêtement. Il est en alliance avec les esprits qui sont derrière le dessin. In connection with the spirit behind this drawing. Vous voyez le dessin. You see this drawing. Mais il y a ce qu'on fait dessin animé. But there is a drawing we call drawing animated. Dans le spirituel. So in the ring of the spirit. Le dessin. It's not a drawing. Ce serait l'animation. But it's an animation. On parle de dessin animé. That's why we talk about drawing animation. Les dessins sont spirituels. Tous les dessins animés. This drawing is a spiritual things. It's connected to spiritual things. Les dessins animés sont spirituels. This drawing is spiritual. Ce que les enfants regardent, c'est spirituel. What the children look is a spiritual thing. C'est spirituel. It's spiritual. Évitez que vos enfants regardent les dessins. You need to stop your children looking at drawing. Alléluia. Amen. Évitez que vos enfants regardent les dessins animés. You need to stop your children looking. Évitez que vos enfants regardent les films. You need to stop your children watching soap.
Elle vient ça de profil là. They saw them. Et les enfants sont là. Les mariés sont assis là. And look at the children can be watching it. Tous ces enfants qui regardent ces choses. All the children that watch. Les esprits qui sont derrière, ce sont les possèdent. The demons that behind that show can possess them. Je vais vous donner un comportement, un caractère de cet enfant. Je ne le connais pas. And I will show. Je vais vous dire un de ses caractères. And I will show. Cet enfant sera, elle n'a pas agité. Amen. C'est un enfant agité. Alléluia. Elle n'a pas agité. Elle n'a pas têtu. Amen. Il va vivre stubborn. Têtu. Pourquoi? Why? Parce que ces choses qu'il a mis là. Because those things he made. Nous communiquons leur esprit en fait. He can communicate his experience. Oh, papa. That's why daddy. Maman. Maman. Quand tu vas acheter ton enfant. When you are well by. Tu vas regarder les dessins. You need to look at the drawing. Regarde les dessins. Look at the drawing. Faut pas acheter des choses pour ça, ça l'enfant. Don't buy funny things for the child. Faut l'acheter vêtements simples. You need to buy something simple. Où le dessin qui est là est clair, tu comprends ce que ça veut dire. Where the drawing is simple that you can understand what it means. Et peut-être que les enfants pensent ces choses. Where the children are wearing those things. Allez dans la maison. When they go to the house. Il faut brûler ça, c'est pas bon pour toi. You need to burn this, it's not good for you. Faut brûler ça. Burn this. Même ça coûte $1 million. Faut brûler. You need to avoid this. C'est mieux pour toi. It's good for you. Si tu penses que tu vas garder. Everything you will keep. Tu vas garder Satan à côté de toi. You will keep Satan side. Faut te séparer de Satan. You need to separate yourself with Satan. Amen. Amen. Donc faites attention à ce que vous portez. Be careful with what you wear. Quand vous allez marcher. When you are walking. Regardez les choses que vous achetez. Look at what you are buying. Quelles sont ces choses autour des signes cabalistiques? Behind those things, they are spiritual things. Merci les amis. You can have your seat. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, votre environnement, vous pouvez être possédé. We can see your dress code and we know that you are possessed. Vous pouvez être possédé. They can see your. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Donc, faites attention à vos enfants. Be careful with your children. Et lorsque vous amenez vos enfants à l'église, il faut les jalouser. When you are bringing your children to church, you need to observe them. Parlez pour vos enfants, même les petits, il faut les parler. Need to cover their head. Quand le culte va finir là, il faut enlever ça. When the church finish, you can remove it. Tout ce que vous faites là, everything you do, enseignez ça à vos enfants. Teach it to your children. Pour que lorsqu'ils vont grandir, so when they grow up, qu'ils ne touchent pas de la parole du Seigneur. They will not go with empty head like that. Donc ces choses dans votre vie, so in your life, prenez le règne du diable. You are attracting the devil. Maintenant, il y a autre chose. There is another thing. Que malheureusement, on ne vous prêche pas et ça tue votre âme. That unfortunately they can't preach you. C'est la vie de péché. Le péché. Si. Il y a des personnes ici. There are some people. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on a de l'eau tout à l'heure. Where we are talking now. Le Seigneur disait, regarde leurs mains. Look at their hands. C'est rempli du sang. A full of blood. Leurs mains sont remplies de crimes. They have blood in their hands. C'est des mains de criminels. It's a criminal people. Quand ils chantaient, ils pensaient. When they are singing, les mains qui étaient levées, c'est des mains de criminels. The hand they are raising up. Les mains pas de crimes. The hand is full of bad things. Pourquoi ces mains pas de crimes? Bad things follow their hands. À cause des choses que ces mains ont faites. Because of what they are doing. Les gens ici ont emporté. People here maybe the sport pregnancy. Ils ont avorté. The sport pregnancy. Toutes les fois que tu avortes. Anytime you destroy pregnancy. Toutes les fois. Every time. Bam, woman. Tu avortes. You destroy pregnancy. Tu commets un crime. You commit a crime. That means. Tu as versé le sang. You commit crime. You wasted blood. Et le sang que tu as versé va te réclamer. And the blood you wasted will come after you. It will speak against you. Regarde le nombre de fois tu as voté pas. Look at the amount of children you destroy. Regarde le nombre de réclamations que tu as dit. Look at the amount of blood that cried behind you. Tu vas ne pas être un homme, tu couches avec lui. You see any man, you lay down with them. Maintenant aujourd'hui, maintenant tu es en train de pleurer. Tu n'as pas d'enfant. You don't have child. Tu as des maladies. You have sicknesses. Incurables. That incurable. Et tu cherches deliverance. And you are seeking for deliverance. La délivrance va venir à une seule condition.
The deliverance can only come with one condition. La repentance. Repentance. Alléluia. Alléluia. La repentance. Repentance. Toi, homme. You man. Qui est là? You are here. Qui a financé l'avortement? You gave money to go for the apprenticeship. Toi aussi, tu es criminel. Yourself, you are a criminal. Toi qui habite en portée. You that goes for it. Tu es criminel. You are a criminal. Tu dois te repentir. You need to repent. Si tu meurs avec ça, tu iras en enfer. If you die like that, you will go to hell. L'avortement est un crime. Spoiling pregnancy is a crime. Tout ce qui a donné l'accord. All those that gave, they are okay. C'est toi qui as remis le médicament. You that become the medicine. C'est toi qui as vendu le médicament. You that do the medicine. C'est toi qui as donné la tisane. You that gave the medicine. Pourquoi la porte? Tu es criminel. You are a criminal. Tu dois te repentir. You need to repent. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup ici. Many here. Quand leur mari. When they are horsemen. N'est pas là. It's not here. Il va les mettre dans la porte du mari pour que tu passes. You can see their hand in the neck of it. Alléluia. Alléluia. Ils volent leur mari. They can steal from the man pocket. Tu dis, ah, c'est mon mari, je vais brûler, il ne donne pas de l'argent. Il sait, dans ma roche, moi, j'ai un homme à l'autre. Quand il prend l'argent, c'est pas le bar avec les filles dehors. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi, je vais m'en charger, je vais prendre pour moi. Ma sœur, à côté, ma honte, elle est un beau gain, une honte, ça, à côté, ma honte, tout bien. Alléluia. Ce que tu as fait là, c'est pour vol. What you are doing is stealing. Tu dois te repentir si jamais. You need to repent. Tu vas dans ça, tu vas en faire. When you remain in that, you're going to heaven. Et ça peut bloquer même ta délivrance. And you can't just find deliverance with that kind of habit. There are people here. Avec leur bouche, ils ont maudit. With their mouth, they curse. Si c'est moi qui t'ai mis au monde. If I have born you. Tu verras. You will see. Tu verras. You will see. Si c'est mon sein que tu as allaité. If that my breast is sore, you. Tu verras. You will see. Ah. Tu as de maudit ton enfant. You are cursing your child. Le Seigneur. L'enfant ne veut plus à l'école. The child is doing three things. Le maître à l'école est fatigué de l'enfant. Even the teacher tire with. Oh, c'est toi qui l'a maudit. And that you curse them. T'as plus la bouche de ton enfant à cause de ta bouche. Destroy the child now because of your mouth. Hallelujah. Hallelujah. There are people here. Who are telling the text? At the back of their mind. At the false pastor. With the false pastor. At the false prophet. False prophet. Qui a déjà posé des mains. They have placed their hand over them. Ils ont reçu des démons. They have received demons. Ils ont reçu des comportements. They have received some behavior. De prostitution. Prostitution. Depuis ce jour-là. From that day, ils ne comprennent pas pourquoi il aime tellement les hommes mariés. They don't know they can't get married. C'est pourquoi vous devez attention. That's why you need to be careful. Tu n'as pas donné ta tête à des bonnes qui vont prier pour toi. Amen. You don't pray your head under everybody's hand. Alléluia. Alléluia. Les enfants, vous qui êtes ici. You are here, children. Les enfants, vous qui êtes ici, écoutez ma bien. Children, listen to me. Vous qui mettez la main dans la sauce. You that can put your hand. Quand on prépare la sauce là. When they cook the soup. Toi tu mets ta main pour fouiller les gens, les poissons. Hold your hand and begin to check. Alléluia. Alléluia. Et tu mets. You fish in the soup. Et tu manges. You eat it. Et tu ne prends ta main. And you wave your hand, your mouth. Sur tes habits. On your clothes. Tu dois te repentir aussi. Alléluia. Le Seigneur me dit de goûter. Lord is telling me to tell you. Qui veut vous délivrer, vous guérir. Mais vous devez vous repentir aussi. You need to repent also. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons rentrer dans un moment de prière. We're going to enter here prayer time. Alléluia, dans notre prière. Il y a beaucoup de choses que vous avez à faire et vous devez vous repentir, demander pardon, Seigneur. There are many things you do that you need to. Lorsque vous allez chez les marabouts, les pétitions. When you go to a medicine man. Vous revenez avec la sorcellerie. You can review witchcraft. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez prier de ça. You need to free from that. Amen. Alléluia. Donc nous allons prier. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.